Luther contre Garrosh. La victoire ou la mort. Je combattrai avec honneur. Travail terminé. Bonne fête du voile d'hiver. Bonne fête du voile d'hiver. Douleur. Assure-moi tes mots à l'oreille. Pour la justice. Travail terminé. Douleur, assure-moi tes mots à l'oreille. Pour la justice. Travail terminé. Pour la justice. Pour la justice. Oh merde! Oh excusez-moi les... Oh je suis... Quel streamer de merde je suis. Quel streamer de merde je suis. Oh là 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 là. Oh là là, merci Kirastraz. Oh, je suis un streamer de merde, les gars. Je suis un putain streamer. Je suis un streamer de merde. Mais désolé, les gars. Ça m'est jamais arrivé. Je suis tendu. Bon, écoutez. Voilà, je refais mon introduction. Bienvenue dans cette vidéo Rush. Enfin, dans ce stream Rush Légende. Rush Légende avant Noël, on y est, on est rang 1. Rang 1, 4 étoiles. Rang 1, 4 étoiles, il nous manque donc 2 victoires pour le faire. Est-ce qu'on va pouvoir le faire? On verra ça. On va voir ça dans un instant. Qu'est-ce qu'il joue en T4? Ça c'est chiant, ça je veux pas, je veux pas, je veux pas. Je veux pas, je veux pas. Est-ce qu'on la silence direct? Parce qu'elle va se faire masse armure. T'as le totem de merde. Totem de merde. Mon nom, sale forêt. Gros totem de bain, putain. Il va pouvoir se faire plein d'armure. Pour remercier Kirastraz, hein, qui est un ami à moi, qui stream aussi. Merci à toi, mon ami. Vous pouvez le retrouver sur Twitter si vous voulez. Bon, ça me le rentabilise un peu. Il a une baston peut-être. Il a peut-être une baston. Qu'est-ce qu'il a? Il a peut-être un heure de bouclier qui va partir sur. Une armure faite sur mesure. Oh, please quoi, please.
Oi, 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 oi. Alors, si silence, je mets combien de dégâts? 4. 6. Putain, je suis à one off. Je suis one off, les gars. Je suis one off. Non. Je suis one off. Arrêtez de poser des questions. Tu dois agir, et vite. Arrêtez de poser des questions. Tant pis, ça va décéder, hein. Tant pis, hein. One off. J'étais one off, quoi. Il manquait un dégât. Ouais, elle utilise pas mal de cartes là. On n'a pas encore vu de baston. Mal à m'avoir soif. D'accord, c'est pour ça qu'il... Ayez foi en la lumière. Allez, il a pas de silence. Les Tyrions, ils aiment pas. En plus, j'ai une consécration, ce qui me donne 2 de dégâts supplémentaires. Gagné. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Deuxième balle de match. Oh là là. C'est peut-être maintenant. Oh là 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 là. Les gars, ça va peut-être se jouer là. Deuxième balle de match. On va tweeter tout ça. Ça y est, c'est tweeté. Vous pouvez aller acheter RT si vous voulez. Puis si vous voulez pas, faites le pas. C'est pas grave. Oh là là. Oh là 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 là. Il y a trop de pression. Y'a trop de pression! Oh là 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 là! Hashtag chauve avant Noël! Non, pas hashtag chauve! Avant Noël! Imaginez, les gars! Imaginez! On est le 17 du mois! Alors, déjà, au départ, j'ai essayé une seule fois d'être légende avant ce rush de Noël. C'était au mois d'octobre, j'avais fini rang 3 maximum. J'avais stagné tout un week-end entre rang 3, rang 5, rang 3, rang 5, rang 3, rang 6. Ça m'avait achevé. J'avais complètement arrêté, j'avais beaucoup joué chez moi et tout. Là, je me suis dit, allez, tiens, on va lancer un call légende avant Noël, parce que je streamais le 1er décembre, comme ça je pouvais reprendre le ladder. J'ai débuté rang 20, et je me suis dit, putain, mais Noël, c'est le 25, ça m'enlève déjà 6 jours, quoi. 6 jours sur le mois, relou. Là, je me suis dit, objectif, il faut que je passe légende avant de partir en vacances. Je pars en vacances demain. Donc là, c'est le 19. Donc en gros, je perds je perds 12 jours. Réponse maintenant, est-ce que je vais y arriver? Trop de pression, je compte sur vos RT les bros. Oh là 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 là. Voleur. Soyez sur vos
On en a gagné un tout à l'heure, on a perdu contre un autre. Je suis pas ultra rassuré, mais la main est pas dégueulasse. J'aimerais bien avoir un adversaire mystérieux. La chouette, non. J'ai trop de secrets. J'ai déjà 3 secrets. J'ai pas de gardienne des secrets. Ça, c'est chiant. Oh putain. J'ai trop de secrets là. Est-ce que tu comprends ce que je dis là? J'ai trop de secrets. Je peux faire Chego qui dit. Mais garde, putain, Zulplux! Oui, on va tenter de gagner. On va bel et bien tenter de gagner. Je connais pas le deck en face. Je vois pas trop encore ce que ça pourrait être. J'aimerais bien qu'il me trade mon araignée là. Trade là. Ça c'est gentil. Alors qu'est-ce que tu fais contre ça? Qu'est-ce que tu fais? La confrérie prévira. Oh bah, j'aurais pas une chouette par hasard. Ça va, elle est à 6. Il y a à 4, pardon. Ça me la met à 2-2. Je peux. Jongleur. Mettez cette pomme sur pièce. Est-ce que c'est pas mieux? Les gars, est-ce que c'est pas mieux s'il lance ça pour pas qu'il pioche? Silence ça pour pas qu'il pioche. Ensuite. Je me demande. En fait, je sais pas si je vais avoir les dégâts. Parce qu'en gros, j'ai 4, 5, 6 de dégâts. Pour faire 5. J'ai 6 de dégâts, je dois faire 5. Au cas où il y a un éventail de couteaux, on aura encore des cartes. Par contre, on a trop de secrets en main. Là, c'est pas bon, il y a trop de secrets. On a trop de secrets. Il nous faut adversaire mystérieux. Et pas ça. Et quand notre adversaire mystérieux va pop, on aura moins de value. La fin est proche. Fils de pute. C'est un deck fatigue, en fait. C'est quoi? Qu'est-ce que ça peut être comme deck? Un mal. Oh putain. Oh putain! Allez, assommé, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave là. Allez, jette tes cartes. Ce gars, tu... ouais, non, c'est chiant là. C'est chiant ça par contre. C'est chiant. Par contre, regardez, ma main est vide. Hein. Ma main est complètement vide. Non, je pense pas que c'est un rogue meul. Je pense que c'est un rogue maligos, comme j'ai dit. Avec Hospice, c'est bizarre quand même. Au rapport. Pour la justice. Oui, c'est Maligos. Au rapport. Oui, c'est Maligos. Ok, je vois ce qu'il a. Il a un déluge. Même pas. Il peut avoir un déluge quand même. Mourez !
Comment je me fais rush? Comment je me fais rush? Au combat! Au combat! On sent le déluge derrière. Oui, mais sur le déluge, il a pas le boom. Imaginez, il a pas d'autre solution. Et c'est pour ça qu'il a fait ça. Au combat pour la justice. C'est maintenant! Légende! Avant Noël, c'est maintenant! Les bros, on l'a fait, on l'a fait, on l'a fait, on l'a fait. Oh putain, regardez ceci, ceci n'est pas du fake, ceci est la vraie vie, c'est la vraie vie. Ta 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 ta. Ta 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 ta, je vous le remets! Je vous le remets! Waouh, ça fait trop du bien. Bon, j'ai cassé le fond vert, j'ai cassé le fond vert. Bon, le live ne s'arrête pas là, les gars. Le live ne s'arrête pas là, on va continuer. Ça y est, je l'ai fait. Je l'ai fait. On va voir Samy, on va voir troller en légende. J'espère en tout cas que le clip vous a plu. J'ai pensé à ça. En ayant cherché à manger, je me suis dit, putain, il faut que je fasse un truc. Ce serait trop bien de faire croire que genre, hop, on voit, bien sûr, ce clip est monté, vous l'avez déduit, hein. C'est, oh putain, oh, j'ai trop chaud, j'y croyais pas, je l'ai fait légende avant Noël. Quand j'ai lancé ce hashtag, je me suis dit, bon, c'est chaud, légende avant Noël, on est quand même le 17 et c'est fait, le 17, qu'est-ce qu'on fait?
On va mettre le petit dos de carte hein, quand même. On va pas déconner. Oh merci, vous êtes. Vous faites péter mon Twitter. N'hésitez pas à vous abonner, hein, forcément. Facebook, Twitter et YouTube. Merci vraiment. Personne n'y croyait pourtant. Zoulux et les gens de GG, tu le mérites. Trop contente pour toi. Merci à toi. Laïkou. Quel est le premier deck? Il faut trouver un deck fort. Enfin, un deck fort. Une image forte. Un deck vraiment nul à chier à jouer pour ma première partie. Merci à tous vos tips aussi. Vraiment, merci à tous vos tips. Ça fait énormément plaisir pour la boîte. Ça aide Eclipsia. C'est formidable. Merci vraiment. Je regrette pas d'avoir lancé ce hashtag. Je regrette pas de m'être lancé ce défi. Qu'est-ce qu'on fait en premier deck? Dites-moi, qu'est-ce qu'on fait en premier deck? La légende est née. Oh, j'ai trop chaud. Oh, ça y est. Oh là 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 là. Oh, j'ai mes notifs qui en peuvent plus là. Eh oui, c'est bien la vraie vie. Et on arrive top 1000 quand même. Première fois légende. Il y a Gilles qui vient me faire un petit foot. Incroyable, Gilles. Mais oui, bien sûr. Oui, voilà. Alors, Gilles qui m'explique, qui vient me féliciter et qui me dit on te regardait tous dans l'open space et on était là. Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il va y arriver? Et là, d'un coup, on m'entend crier, mais forcément, avec le délai en moins. Donc, je vous ai spoil. Oh là là, fabuleux. La petite vidéo, t'as aimé ou pas? Eh, c'est formidable. Incroyable, incroyable. En tout cas, merci pour tout le soutien. Merci à toi, Gilles, pour tes encouragements. Tu rases pas la tête ? Comment ? Non, du coup, je me rase pas la tête. Déconne pas. Hein. J'ai travaillé dur pour ce rang légende. Bon, qu'est-ce qu'on joue comme deck, là ? Qu'est-ce qu'on joue ? La première partie, c'est symbolique. Faut pas se louper. Oh là là. Qu'est-ce qu'on joue ? Je ne sais pas quoi jouer. Je ne sais pas comment on va... on va fêter ça. Est-ce qu'on fait ça avec un bon deck Murloc? Est-ce qu'on fait ça avec un bon deck Cancer? Avec un deck random? Est-ce qu'on fait ça avec un deck random? Regardez, regardez, regardez. Nous allons fêter mon passage légende avec une première game avec un deck random. Je choisis donc Thémoniste. Je fais terminer. Et on va pouvoir commencer les conneries. Messieurs, dames. On va pouvoir peut-être tuer des légendes. En tout cas, c'est le défi. Alors, ce deck fait aléatoirement, bien sûr. On va pouvoir enlever cette decklist de deck paladin de secret de ses morts. Voilà. Et qu'est-ce qu'il nous a mis? Ça risque d'être compliqué, quand même. Extraza, Blingotron 3000. Bon, c'est pas grave. Testons. Destrier de l'effroi. Alors ça sent la bonne strat, bien évidemment. On va fêter ça avec un bon deck aléatoire, un bon deck horn. Paladin Murloc, on peut faire un Paladin Murloc. C'est vrai. Putain. 1007. Jusqu'où je vais pouvoir descendre maintenant? Jusqu'où je vais pouvoir descendre? Oh là là. Maintenant, le pari, c'est Zoulux ne sera plus légende avant. Non, mais on peut pas descendre, je pense. On ne peut pas descendre de légende. Oh. Non, je veux bien. Ah bah il va être content du coup. Il va être content, c'est une free win. C'est une free win pour lui. On joue contre un Tard. Qu'est-ce que je fasse? Une petite free win pour ce Hunter. Ça va lui faire du bien. Voilà, les gens m'ont snipé. Ils se sont dit, oh putain, il va jouer attaque de merde. C'est le moment. C'est le moment de monter. Sur votre tête. Alors, donne une carte maudite à votre adversaire tant qu'elle est dans sa main. Il subit 2 points de dégâts au début de son tour. Est-ce qu'on la met tout de suite? Je ne sais pas. En tout cas, on a une sortie pas dégueu. On a vraiment une sortie pas dégueu. On va jouer safe, on mettra ça après. Oh comment dire? On va mettre un Diablotin sans. Afflanter la lumière. Afflanter la lumière.
Zoolux, c'est le Père Noël Thurston maintenant. Il va filer des freeweeds. Non, c'est bon. Abusons pas. Abusons pas. Il va fail certainement. Il va mettre un petit drain de vie. Et il va être déçu. Alors, on est déçu, mec. Et boum! Et le combo! Et là, ici. Oh, c'est un nouveau deck! C'est un nouveau deck dans une nouvelle méta! Oh, super zoom! Je comprends pourquoi il est légende! Là, il se dit. Oh putain! Il se dit, oh, j'ai jamais vu ce deck! Non, mais je peux pas rivaliser contre ça! C'est incroyable! Tu fais le fou, donc tu changes de deck? Oui, non, on a mis un petit deck aléatoire là. Un petit deck random. On est comme ça. Hein? On se fait plaisir. Je suis obligé. Ou est-ce qu'on pourra le faire? Ça m'étonnerait qu'on arrive à gérer un tard. Hein. Mais bon, on a le droit d'essayer de s'amuser quoi. Random deck, fuck the world, exactement. C'est le principe. La chouette, oh non. Oh non. Oh, il rigole zéro. Il rigole zéro le mec. Donnez-moi une quête. Je sais pas elle coûte combien. Je ne sais pas elle coûte combien cette carte. Bon, on va taper ça. Oh, bingo con, ça va être chaud. Eh oui, j'ai le dos de carte légendaire. Ah, ça coûte 2. Ouais, bon, c'est un peu nul alors. C'est un peu nul. Ou tu donnes ça à un chaman surcharge. Oh, cette première game que l'on va perdre. Est-ce que vous pensez que je suis pris au sérieux? Non, je suis pas pris au sérieux. Je suis pas du tout pris au sérieux. Il faudrait une petite AO. Je sais pas si j'en ai. Je ne sais pas si j'en ai. Mais là, en vrai, si j'ai pas d'AO, j'ai perdu. Donc, il a une deuxième carte maudite? Ou ça bug? C'est quoi le problème, là? C'est une carte maudite qu'il a encore? Vous subissez deux... Ah, c'est pas à tout le board! Ah, mais moi, je savais pas que c'était à tout le board! Alors, zéro pour le prochain. Ah, mais il a beaucoup de... Il avait beaucoup de cartes maudites. Et là, l'étal. Pourquoi je l'ai pas eu avant? Nique sa mère! Pourquoi je l'ai pas eu avant? Ah, je peux pas collection. Bon, tant pis! Eh, on a failli, hein! On a failli! On a failli faire l'exploit! Avec un vieux deck random. Oh, il a juste le létal! Oh, ça, c'est insane ça! Imaginez, il avait pas le létal! Imaginez, il avait pas son chien. Incroyable. Bon, on a presque réussi à le faire. Hein. On a presque réussi. Bon, 1200. On perd vite des places. Bon, c'était vraiment la première game. C'était la façon un petit peu d'inaugurer ce rang légende. Putain, j'en ai tellement chaud. Maintenant, on va tenter. Pourquoi pas, la liste du feu. La liste du feu. Ah, c'est mon petit deck fun, là. On peut tenter des decks Reno. On peut faire le bras de fer aussi. On peut faire le bras de fer que je n'ai pas encore fait. On peut faire une arène, on peut faire plein de trucs. Dites-moi un petit peu ce que vous voulez, ce que vous préférez. Tiens, allez, on va essayer ça en espérant ne pas tomber contre un deck aggro. Alors. Go Murloc ou Palouf Secret, pour changer. MDR. Golden Monkey. Ah, je me suis jamais fait un deck Golden Monkey, par contre. On peut tester. On peut tester après la pause. Ah oui, 250 places en une partie. Eh oui. Alors, guerrier. Oh, mon premier match, légende contre légende. Waouh. Waouh. Alors là, les gars, légende contre légende. Imaginez-vous. Coucou Zoolux. Mais il est légende. Bah, tu croyais que j'allais faire quoi? Hein? Bras de fer après arène. Bras de fer. Vision télépathique, pouvoir héros.
Alors ça c'est un deck très fun, un deck pour le stream, pour faire des plays, etc. Vous-même vous savez, vision télépathique, qu'est-ce qu'il a en main? À me donner une hache. C'est bien ça. Bonne fête. C'est très très bien. D'hiver. Oh là là. Incroyable. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Vous pouvez dire? J'y étais. J'y étais. Vous pourrez le dire. Effectivement. Vous y étiez. Alors, est-ce que je lui montre que j'ai une arme? Oui, comme ça, prochain tour, je peux vol d'esprit. Oh là 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 là. Berserker écumant, ça va, il me fait pas chier là. Absolument pas, MDR. Oh, une deuxième arme. Une rage intérieure. Par la lumière. Est-ce qu'on la garde? Par la lumière. Ah, ça me paraît pas mal. Bon, je vais choper deux armes, ça va m'aider vraiment à contrôler le board. La vieille voix du prêtre quand il dit bonjour. Bon, ça va. Hein. Ouais, non, j'avoue. Alors, place une copie d'un serviteur aléatoire du jeu de votre adversaire sur le champ de bataille. Qu'est-ce qu'il peut me donner? Allez, on va commencer. On va bien les bolosser, hein. On va essayer de les bolosser. Oh, bord de rire. Non. Oh, c'est tellement cher. Vas-y, c'était gratuit pour moi. Il est trop mad, le mec. Il est beaucoup trop mad. Bon, par contre, on a rien à faire, là. On n'a rien à faire. On va faire ça. Ça c'est pas mal. On va se soigner et on est bien. Ah oui, nous on les bolosse avec notre deck. On y va. On gère. Et là, perso, on est très très bien. Parce que là, je vais avoir mon confesseur d'argent qui va pouvoir arriver dans quelques temps. Ouais, non, t'es chiant là. T'es chiant, mais je vais pouvoir te gérer donc. Hey, venez par ici. Y'en a beaucoup. J'avoue, y'en a beaucoup. Venez par ici. Hey, venez par ici. Mec, y'en a beaucoup là. Alors, c'est quoi les plaies là? Je peux au moins en manger rien. Enfin, ici, ça me coûte 2. Puis j'en gère 2, puis le troisième, puis le dernier. Ça me paraît ok. Hein. Est-ce que je peux tout faire? Est-ce que je vais avoir la mana pour tout faire? Oui. Je vais tout gérer. Il est déchu. Il est complètement déçu. Il va pouvoir me gérer néanmoins mon commandant du fief. J'ai aucun moyen de le garder, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est un deck Grim Patron. Je viens de gérer sa combo, on est bien. Une bagarre, comptez sur moi. Allô, quoi. Bon, moi celui-là, il pourra plus le dupliquer. Ah, la bombe! La bombe, elle arrive un peu tard, hein! Vanjou! Par la lumière! Bon, il a perdu, là. Il a perdu. On a gagné tranquille, je pense. La hache a tellement fait le taf. Exactement, Yormoon! Non, mais ce deck est très fort, en vrai. Alors, est-ce que j'ai un truc sympa à faire avec Folie de l'Ombre?
Ah bah non, je peux clairement cabale. Laissez-moi vous montrer une autre façon de penser. Par la lumière. C'est gagné. Tranquille. Voilà le meilleur deck, le deck de Zouzou. Ça c'est une liste personnelle. Hein. C'est une liste personnelle. C'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Très très bon deck. Très très bon deck. Incroyable. Et voilà. Est-ce qu'on montrait pas le ladder avec le prêtre Zouzou? Incroyable. Easy, j'avais envie de dire. Franchement, je pensais qu'ils allaient être plus chauds, les mecs. Je vais vous mettre la playlist. On va jouer un petit peu de avec ce deck. Qu'est-ce qui nous manquerait? Contrôle mental, Isera, Confesseur, Cabale, Ensevelir, Bombe, Crash Vase, Champion. Alors, c'est vraiment tiré sur le fun. Hein. Champion d'exclus de Sarad, Jeu d'esprit, c'est pour le fun. Folie l'ombre, Contrôleur mental, Volt d'esprit, Mot. Commandant du fief. Donc là, le reste pour gérer. Je veux un Golden Monkey. Quand je reviens de mon repas. Oui, on pourra en faire. De toute façon, hey, les gars, on a le temps, on a 5 heures. On a 5 heures, on va partir là-dessus. On verra un petit peu la value de ce deck. Je l'appelais la liste du feu. Hein. C'est le prêtre. Le deck prêtre Zulzul. Incroyable. Allez, c'est parti. Alors, pendant ce temps-là, je vais essayer de vous mettre la petite decklist. On verra si ça tombe. C'est juste du pur fun. Paladin, c'est pas mal. Je pourrais peut-être mettre un Reno Jackson hein, dedans. Ah non, non, j'ai plusieurs fois les mêmes cartes. Du coup, ça ne fonctionnera pas. Problématique. Donc, attendez, je vous cherche la petite decklist. Non, ce n'est pas celle-là. Je vais mulligan, comme ça sera fait. On va charter ça, on va charter ça, on va garder le contrôleur mental. Et ça me paraît bien. Oh, j'aurais pu garder le mot. Bon, moi j'en ai deux autres. Incroyable. Alors est-ce que j'ai vraiment... est-ce que j'ai vraiment screené? Je n'ai pas eu. Petit deck. Petit deck. Où es-tu? Ah, c'est celui-là. C'est celui-là. Alors, pour vous la liste. Eh bien, on est bien là. On est bien. Après, c'est peut-être un deck plutôt late en face. Si c'est un deck aggro, normalement, on devrait en faire qu'une bouchée. Avec ma petite decklist. Alors, voilà la liste, comme ça, si vous voulez la jouer ou la streamer. Parce que pour moi, ça, c'est une liste pour stream, clairement. Elle est faite pour ça. Je l'ai créé pour ça, pour faire du beau jeu, pour faire des plays, jouer un petit peu avec le random, mais aussi surprendre l'adversaire, etc. C'est juste pour ça. Ah tiens, j'ai pas le dos de carte moi. Ah mais non, j'ai un dos de carte légendaire. Ah mais je l'ai pas mis. Je suis un bolosse. Ok. Tout de suite. Ok. Ça va être du méga late. Oh, ça va être du méga late. Imposition des mains. C'est un deck Reno Jackson, Rafan en face, c'est ça. Ça peut pas être autre chose. Ça ne peut pas être autre chose. Tout de suite. Travail terminé. Ça m'a l'air d'être ça, hein. Parce que bon, pour jouer un hospice, putain de merde. Un hospice. Oh, c'est chiant ça. Vas-y, gère ça. Je vais m'empresser de mettre un mot de pouvoir. Bon, on est parti sur de la longue game là. Là, ça va être très très long. Donne-moi un Rafan ou une connerie du genre. Oh, acolyte. Il y avait mieux. Il y a vraiment mieux. Oui, avec tous les Morlocks de ta vie. Oui, c'est exactement ça. Mais pourquoi jouer un hospice? C'est vraiment étrange. C'est vraiment, vraiment étrange. Alors moi, ça, bien sûr, je le joue pour le fun, le commandant du fief. 70 nouvelles notifications.
Oh putain de merde. Oh, vous êtes déchaîné sur mon Twitter. Merci à vous vraiment pour tous vos messages de soutien, vos faves, vos retweets. T'es fou, je vais féliciter l'étoile montante qui me dit. Incroyable. Alors, oh c'est chiant, j'ai rien à jouer. L'hospice va à limite me gêner en fait. L'hospice va me gêner. Bon, c'est pas rentable là, j'ai rien pour mettre pression. N'importe quoi. Ok, l'hospice. Encore une fois, c'est chiant. Je peux jouer Mot de l'ombre mort, mais vraiment, est-ce que je m'en fous pas un peu ? Elle va être très 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 longue, cette game. Je sens que ça va se finir à la fatigue. Il va avoir un Reno Jackson pour de son côté. Faudrait que je le chope d'une manière ou d'une autre. Il m'a pas posé grand chose. Oh, il y a une championne. Donc il y a peut-être pas de Reno Jackson. Il y a peut-être juste tous les Murlocs de ta vie. C'est peut-être juste ça. Oh putain, ça se fait gérer. Ça se fait gérer. La fin est proche. Bon. Bah attendons, hein. Attendons. On n'a rien à faire. On n'a rien à faire. Oh. Je... Il m'a joué combien de cartes? Il m'a joué 0 mob, je crois, déjà, donc... Oui, j'ai vu Elanglo, j'ai arrêté ton petit montage. Ah, oh, ça arrête pas, ça s'arrête pas, les notifications. Incroyable. Qu'est-ce qu'il fait? Pièce. Oh, on en est là. On en est là. Vous avez vu ce qu'il a fait? Il m'a joué pièce. Putain, il a joué la pièce pour pas se meuler. C'est incroyable. Bon, est-ce qu'il a deux dégâts directs? Il a certainement un petit Murloc. Hein. Bon, je pense que je peux pas la gagner, cette game. Je peux contrer des decks aggro, mais là... Et voilà, le deuxième marteau de Kourou qui pop. Oh là là. En gros, on a pris tous les deux des decks hyper contrôle. C'est incroyable. Attends, tout à l'heure, je me suis pas heal, j'aurais pu piocher une carte gratos, quel con. Oh là là, en plus je m'y spé. Ce duel m'endort. Ce duel m'endort, j'ai que ça à dire. Ce duel m'endort complètement. C'est incroyable. Ça me fera zéro value. Putain. J'aurais pu invoquer le légendaire. Oh, j'ai tellement mal joué. T'aurais dû exalt. Mais bien sûr que j'aurais dû exalt. En vrai, il y avait moyen de faire un truc là. Hein. C'est juste que là... Je sais pas, ça m'endort. Ça... Il fait rien, il joue rien. Il joue rien, c'est chiant. C'est chiant. Pourtant, c'est le 179e. Hein. Je me demande. Tu vas jouer au bout d'un moment ou... Et le pire, c'est qu'il va tout envoyer. Il va envoyer le pâté d'un coup. Hein. Avec tous les Murlocs de ta vie, ça me paraît évident. T'as chopé la meilleure carte. Petite... voilà. Ça, c'était obligé. Le petit Murloc pour aller trade. Et là, derrière, j'ai plus rien. Je crois que j'ai juste une Isera pour faire la div sur le late game. C'est pas grand-chose. Donc, on va jouer avec ces cartes. Deuxième veille solennelle. Oui, là, je lui laisse tellement le temps d'installer son jeu. Donne-moi une cabale. Allez, console-moi en mettant une cabale.
Ah ben voilà. Voilà, tu vois quand tu veux. Laissez-moi vous montrer une autre façon de penser. Tu vois, là c'est ok. Est-ce qu'il n'y aurait pas une consacre aussi? Je manque d'agression, c'est incroyable. Alors, tu pourrais une rediff de ta soirée légende? Oui, t'inquiète pas, ça va arriver sur mon YouTube. Ça c'est obligé. D'ailleurs, il y a depuis mi-semaine, je commence à mettre tous les vidéos sur mon YouTube. Ah oui, d'ailleurs, je dois mettre. J'ai oublié de mettre celle d'hier. Alors, le vieux Morlock trompe l'œil. Aldor. Bon, je suis là, c'est toujours chiant. Au rapport. Obéissez. 100%, je vais mourir. 100%, je vais mourir. Je suis obligé de jouer ça, là, comme ça. Parce que là, il fait petit à petit mourir ses Murlocs. Et on sait qu'il a une imposition des mains. Mais moi je vais me faire OTK donc. Tu as gueulé? Ah oui, j'ai bien gueulé. J'ai vraiment gueulé assez fort, on va dire. J'ai donné de mes cordes vocales. Je me demande. Mets le temps à jouer. Il met le temps. En tout cas, ça fait plaisir. Vous avez été vraiment hyper nombreux à me donner des messages de soutien. Vous avez envoyé pas mal de tips aussi. Alors les tips, bon, ça me revient pas, mais c'est pour la boîte. C'est vraiment cool. On a fêté ce rang légende tous ensemble. C'est vraiment trop cool. Ok, il fait 3 de dégâts et il pioche. Alors, vision télépathique, qu'est-ce qu'il en a? Waouh, garde-paix. Putain, j'ai chopé les pires cartes en vrai. Hein. J'ai vraiment chopé les pires cartes. Je me demande si. Est-ce qu'on le fait pas piocher? Est-ce que c'est pas mieux? Pour essayer d'aller à la fatigue, il a pioché énormément. On doit choisir vite. Faites-moi mal. Oh, le Nova. Je pense que j'ai peut-être une Nova de trop. J'ai peut-être bel et bien une Nova de trop. Cette game est vraiment somnolente. Il n'y a aucune action dans cette game, il n'y a aucune. Enfin, pour l'instant, il n'y a aucun retournement de situation. Il va finir par arriver le retournement de situation. Ah, j'aurais dû le faire meuler. J'aurais dû le faire piocher, pardon. Et oui, puisque j'avais oublié qu'il avait encore une imposition des mains. Alors, ce serait bien qu'on sorte notre Isera. Et je me demande s'il fait vraiment 32 dégâts avec sa combo. Le moyen pour qu'il rate sa combo, c'est de lui piquer ça. Donc donne-moi l'autre chenille. Contrôleur mental. Contrôle mental. Est-ce qu'on fait le contrôle mental le plus ridicule de toute la Terre? Parce que là, il a tous les Murlocs de sa vie, je sais pas quoi. Est-ce que pour empêcher l'OTK, est-ce qu'on met pas un contrôle mental? Est-ce que ce serait pas le truc le plus con, mais le plus utile? Quand on vient à faire ça, quand même. Non, non, FDR. Mais oui, mais si je le tue, il va me finir. Ouais, fais-le. Non, garde. Mais les gars, il va me jouer que des Murlocs de merde. On va dire vite. Hein.
J'aurais pu jouer un pot. Voyons si ça marche. Bon, est-ce qu'il y a son létal? Ah ouais, non, ça marche aussi pour les Murlocs et lui. Oui, mais si, si il ne meurt pas de mon côté, il est baisé, non? Et Zulu qui tilt. Bravo sa légende. Bravo la légende. Je sais pas, je reste que presque persuadé que c'était pas une si mauvaise idée. Je sais pas combien la combo fait, en vérité. Bon, il avait la conseil de toute façon. Et il attend tous les Murlocs de sa vie. Bon, on va se heal, on va faire l'impôt. Oh, il faut que je balance. Faut que je balance une carte. C'est dur. Putain, et notre Isera qui est toujours pas tombée, quoi. Je me demande. Est-ce qu'il jouerait pas un Tyrion? Voyons si ça marche. Imaginez, il a toujours pas les Murlocs de sa vie là. Imaginez, c'est la dernière carte. Bon, on a 30 PV. Bon, en tout cas, ce deck-là doit vraiment pas marcher contre les guerriers. Ça m'a l'air vraiment bizarre là. Putain. Je viens de jeter mon. Ah non, je peux garde paix. Oui, je peux garde paix, c'est bien. Suivez les règles. Je m'en voudras pas, mais. Une autre façon de penser. Quelqu'un est blessé. Bon, il peut. Oui, en vrai, il peut me le gérer. Quoi. Il peut me le gérer juste avant. Et oui, mais là, ça va lui prendre des slots. Donc, il peut pas tous les Murlocs de sa vie, là. C'est quoi ce game? Zulu, c'est Max. Ok. Alors, il fait sa sortie. Ah, mais ça buff quand même. Bah, je suis un gros con. Je suis un gros con, ça buff quand même. Bah, bravo, Zulu. Bah oui, tous les meurs. Mais ça buff quand même. Bon, comment on gère ça? En vrai, il faut que je fasse mourir ça. Oh, une bombe de matière. Ça passe. Oui, ça passe largement. Est-ce qu'il l'a pas une deuxième fois son truc? Faut choisir vite. Tout de suite. Obéissez. Alors, est-ce qu'il a de quoi encore? Est-ce qu'on mettrait pas une petite chouette là-dessus? Au cas où. Au cas où. De toute façon, s'il a Tyrion, on a de quoi le gérer. Bonne fête du voile divin. Alors, est-ce qu'il a le létal? Ah, il en joue deux. Il en joue deux. Terrible. Terrible. Ok, je pouvais rien faire. Bon bah une très longue game. Mais nul à chier. On se retrouve juste après la pause. Les bros, ne bougez pas, on testera encore deux decks. Là c'était juste le match-up nul à chier. Ça me donnait envie de leave. Franchement, si j'ai galéré à être légende juste pour faire des duels comme ça, c'est pas la peine. Hein, c'est pas la peine. On fait juste une petite pause et après on aura peut-être Max sur la TV1. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout de suite.